Salut Alexandre, comment tu vas ? Ça va, merci. Bonjour Christophe. C'est un grand plaisir de te revoir parce que nous, on a eu l'occasion de se rencontrer au Salon du Livre dans l'Eure par Frédéric Julien qui travaillait par le biais de France Bleu et qui m'avait invité à venir voir ce salon. Je t'ai vu au mois de juin, tu es venu à notre événement qui s'appelle Alpine en fête. Et par le biais de Nathalie, vu qu'elle était exposante à cet événement du mois de juin, te voilà présent aujourd'hui pour le Corde. Alors depuis ce temps-là, comment c'est venu cette BD ? Parce que bon. En fait, la BD, c'est l'adaptation de mes trois premiers livres. J'ai sorti donc Bref de volant au Cherche Midi, en tome 1 et en tome 2. Ensuite, on a fait toujours au Cherche Midi Les bonnes excuses des mauvais conducteurs. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas adapter ces histoires en BD avec l'aide d'un dessinateur. Il s'appelle donc Maurice Antunes. Et donc, je lui ai envoyé le projet. Il m'a dit il était emballé par l'idée de dessiner des planches et des vignettes sur le thème des motards et de la mauvaise foi. Et voilà, on a travaillé pendant un an à dessiner, à faire 46 pages. Moi j'ai eu l'occasion de l'avoir lu, mais c'est vrai, c'est exactement ce qu'on voit dans la réalité. Bon, je pense que vous, c'est encore pire, parce que toi, il faut bien qu'on précise que tu es motard à la police. Tout à fait, motard au sein de la police nationale depuis 2004. Et en fait, on écoute, on pose des questions ouvertes aux gens après une infraction et on écoute les... Enfin, moi, personnellement, j'aime bien écouter leur réaction et je les note tout de suite précieusement sur des petits papiers. Et donc, ça déborde parfois de mauvaise foi. Alors là, je vois qu'il y a plusieurs personnes, il y a le dessinateur. Après les autres, c'est ta compagnie, non ? Alors moi, c'était ma première BD. Donc j'ai été coaché par Olivier Petit, qui est lui un spécialiste de la bande dessinée, qui a une maison d'édition qui s'appelle Petit à Petit. D'ailleurs, c'est avec lui qu'on a fait Police les métiers. Donc là, c'est un pro de la bande dessinée. Il en a sorti des centaines et des centaines. Maurice Antunes, c'est le dessinateur. Et Florent Daniel, c'est le coloriste. Voilà, puisque c'est toute une équipe. C'est dur de trouver des personnes qui font et scénario, et dessin, crayonné, ancrage et color. C'est des métiers. Alors, tu as des réseaux sociaux où on peut te contacter pour pouvoir l'acheter, où on peut le trouver ce livre ? Ouais, et ben on le trouve dans toutes les bonnes librairies, voilà, en tapant Bref de volant ou Les bonnes excuses des mauvais conducteurs ou Police les métiers. Et sinon, c'est sur Facebook, Alexandre Després, c'est mon Facebook personnel où j'invite en fait les gens qui veulent me suivre sur mes projets artistiques. Là, j'ai vu, il y a une chaîne YouTube avec des petites vidéos. Là, j'ai vu que. Ouais. Donc, j'ai fait aussi un livre avec un éditeur normand. Ça s'appelle Motard Trajectoire d'élite. Voilà. Il y a 20 donc en tout, il y a 8 petites vidéos de 1 minute qui sont réalisées par mon co-auteur Nicolas, montées avec de la musique. C'est très très bien réalisé. Et le livre comporte donc 140 photos sur... on explique en fait en 140 photos comment on devient motard de la police nationale. Il y a des super images. Merci, ouais, la formation. Et on monte crescendo avec des images de plus en plus spectaculaires. Les escortes avec le véhicule du RAID, les escortes de transport exceptionnel, les visites d'État. Là, récemment, on a eu la visite du roi Charles III. Et donc, il y avait ce qu'on appelle la grande escorte. C'est-à-dire que l'État rend les honneurs à la personne qui vient visiter Paris et même Bordeaux. Enfin, il a visité différentes villes. Et donc là, les motards sont là et travaillent autour en poule pour ces déplacements. Merci Alexandre. Je pense qu'on aura l'occasion de se voir demain. Tu vas voir un petit peu le début du spectacle. C'est Alain qui va commencer le début du spectacle. Ça vaut le coup de le voir parce que moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la Légende de Montmartre qu'il a fait au mois de mai ici au sein du casino avec toute son équipe. Là il va chanter ses chansons à lui, mais moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer au niveau de la Légende de Montmartre. Alors bon, on se verra demain parce que c'est moi qui filme le spectacle comme je fais tous les ans. Puis voilà. Ça marche. Merci. À demain alors. À bientôt Alexandre. Merci.